Je suis désolé, j'ai une femme, j'ai 6 enfants. Ma femme m'a jamais attrapé dans des tromperies et donc c'est à partir d'avant-hier que j'ai commencé à être infidèle. Ma femme a su que je l'ai trompée. Je suis désolé pour elle, je suis désolé pour tout ça parce que j'avais pas l'intention que ça sorte. Voilà, et c'est pas de ma volonté, c'est pas moi, j'ai oublié. Voilà, c'est juste une colère. Je sais pas. Bonjour, monsieur Balthazar. Bonjour, je t'aime. Ça peut aller. Ok. Moi, j'ai juste une question à vous poser. C'est-à-dire, quand vous les filmez, vous gagnez quoi dedans, au fait? Au fait, c'est pour immortaliser le moment, mais pas l'intention de le publier. D'accord. Immortaliser le moment, c'est-à-dire, on prend ça tout de suite et puis après, on passe. Mais pourquoi est-ce que vous les gardez dans un disque dur? Et c'est quoi le but? Quand vous regardez ça, est-ce que c'est des fantasmes? Quand vous les filmez pendant les débats, est-ce que ça développe autre chose, un haut niveau pendant que vous êtes en train de les yuruku, au fait, je protège quand même le live de mon ami, voilà, pendant que vous êtes en train de les yuruku, est-ce que ça développe d'autres pulsions en vous? Oui, ça fait partie de mes fantasmes. Et puis, voilà, il y a des moments de quoi rappeler, à se rappeler de la personne. Voilà, et tout ça rentre dans le cadre de ce qui me conduit à immortaliser le moment. D'accord, c'est tout pour l'instant. Question, elle est bien répondue, hein. Elle est très bien répondue. Merci mon client. D'autres questions pour mon client, s'il vous plaît? Bien, non. Je vais vous signaler une source. Chez nous, en Guinée équatoriale, l'adultère, tant que la femme constante, tant que la femme est d'accord, c'est pas condamnable. Et d'abord, l'affaire de détournement de fonds, ils n'ont trouvé aucune preuve. Actuellement, je suis en garde à vue juste parce que on veut faire des examens pour voir si je n'ai pas une maladie contagieuse. Voilà. Et donc, moi, j'attends parce que moi, j'ai confiance en moi. Au contraire, parmi les femmes, si il y a une qui me contamine, je vais poser plainte contre elle et je serai libre. Voilà, je serai libre juste parce qu'ils ont sali mon nom et autres. Voilà, sinon c'est pas un crime ce qu'ils disent. Voilà, je vais pourrir en prison. L'adultère n'est pas condamné sinon. Voilà, c'est ce que vous devrez savoir. Et ces garçons qui viennent pour insulter et autres, vous donnez des conseils, mais quand vous insultez, je suis navré, mais les gens prennent en compte les injures et puis ils ne prennent pas en compte les conseils que vous donnez. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est que les vidéos, ils sont clairs. Il n'y a aucune femme qui a été forcée. Je donne raison à Je t'aime parce qu'il n'y a aucune femme qui a été forcée et il n'y aura pas de plainte venant de ces femmes-là parce que les pièces à conviction, ils sont. Il y a des vidéos qui sont claires. C'est elles-mêmes, elles savent qu'elles sont filmées.